Hello! Bon alors, je vous remontre, hein. J'ai attaché mes cheveux parce que je vous jure que j'en ai marre. Franchement, j'en ai ras-le-bol. À chaque fois, je fais à manger ou un truc, j'ai des cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Je perds mes cheveux ou j'en sais rien. Voilà, la vieillerie, je ne sais pas. Mais ça me saoule. Franchement, ça me saoule parce que j'ai toujours des cheveux dans les mains. Bon, alors. Enfin, j'espère que vous allez bien d'abord, et puis mes nouveaux abonnés, franchement, voilà, ben, et puis mes petits abonnés à moi que j'adore, enfin, voilà. Eh bien, je vous fais plein de bisous. J'ai commandé à La Belle Vie, alors pourquoi? Parce que j'avais besoin de quelque chose d'impératif, mais vraiment d'impératif. Figurez-vous que j'avais une poêle que j'adorais, vous la voyez tout le temps dans mes recettes de cuisine, eh bien, que j'ai l'habitude de faire des recettes avec cette poêle, malheureusement. Elle a un gros problème. Donc, j'ai téléphoné à la société, je leur ai expliqué, parce que je l'ai acheté il y a un an. C'est de la pierre et ça s'est décollé. La pierre s'est décollée. Je ne sais pas ce qui se passe, on aurait dit du papier. Donc, on verra bien. S'ils vont me faire un petit geste, on verra. On verra ou pas. C'est pas pour avoir un geste. Du coup, j'ai acheté une poêle Tefal à induction. Alors, je l'ai payé pompette. Hein, tout feu induction, 28 cm. Mais je l'ai payé le même prix que j'aurais dû la payer. Je l'ai payé 36 euros. Voilà. Donc, elle est titanium, anti-adhésive, recyclée. Voilà, elle est couleur comme ça. Allez, je vous montre. Elle est couleur comme ça. Voilà. C'est l'anniversaire de Yannick aujourd'hui. Elle est couleur comme ça. Elle est dans les tons tout feu. Voilà. Voilà, pour faire cuire mes entrecôtes. Voilà, maintenant, bah, je vais être obligée de prendre cette poêle-là et plus mes poêles pierre. Vous entendez mon fils qui parle parce que c'est son anniversaire, donc il y a plein de gens qui l'appellent. Alors, ah non mais, plus ça va, plus ça devient n'importe quoi. Regardez, non mais regardez la ciboulette. Non mais regardez tout. Il y en a combien? Vous savez combien il y a de paquets? J'ai payé 99 centimes. Hein. Il y a un paquet, deux paquets, trois paquets, quatre paquets, cinq paquets, six paquets. Je vais congeler, hein. Six paquets de ciboulette. Alors que normalement, c'est parce qu'ils ne savaient pas. Voilà, c'est un paquet, 99 centimes. Eh bien, j'en ai six paquets. Non mais moi, j'ai toujours du bol, hein, je vous assure. Hein. Donc voilà, eh ben, je vais en congeler, hein, je vous le dis. Hein. Je vais en donner à Yannick. Hein. Je vais en donner à Alain. Voilà. Ensuite, j'ai pris des Doritos. Oui, ben, les Doritos, j'ai pris ça 2 euros quelque chose. Tout simplement, c'est du goût style barbecue parce que j'adore. Nous sommes le combien aujourd'hui? Non, mais alors moi, je les collectionne. Je vous jure. Je vais leur dire. Je ne veux pas les manger. D'abord, je les ai payés cher. 4 septembre 2021. Donc, je vais leur dire, j'ai pas demandé un pack anti-gaspi. Je vous dis, à chaque fois, j'ai du bol, moi. Voilà. Ensuite, j'ai pris un crayon bleu indien de 2,85. Alors, je les connais très bien, c'est la marque Avril. Hein. Voilà, un crayon bleu indien, comme ceci, un cool. Voilà. J'ai pris un bleu impérial. Voilà. J'ai pris bleu indien, bleu impérial. Alors, ça m'étonnerait que j'ai pris bleu impérial. Mais bon, ils sont encore trompés. On verra bien. Et là, j'ai pris un vert camouflage. Il est très joli, le vert camouflage. Regardez. Ah oui, vous savez que je suis toujours nulle pour vous montrer. Bon, il est comme ça. Voilà. Par contre, je vois pas l'intérêt d'avoir pris un bleu impérial et un bleu machin comme ça. Il n'y a pas grand-chose de différence. D'ailleurs, c'est le même. Donc, il s'est trompé. Franchement, ça me saoule des fois. Hein. J'ai pas pris bleu. Hein. J'ai pris bleu égyptien, ça c'est sûr. Voilà. Il m'en a mis deux comme ça. Donc, je vais leur dire aussi. Et là, j'ai pris un rouge à lèvres. Alors, c'est le rouge à lèvres groseille. Oh, joli. Oh, joli pour la saison. Il est magnifique. Voilà. Je rentre à la maison, puis après, je m'occupe de l'appartement.
Voilà. C'est couleur groseille. Je l'ai payé 5,99. C'est la marque Avril. Oui, toi, ça a été nickel. C'est une marque bio. Ensuite, La marque j'ai pris du internationale. Canada Dry. Ça fait des années que je n'ai pas pris du Canada Dry. 1,80 €, je crois. Franchement, me dit c'est Elle est sympa pas pour l'apéritif, pour ce mal. soir. Et là, vous voyez, les sacs qu'ils font maintenant, ce sont des sacs qui sont renforcés, des gros sacs, mais vraiment pas de la cochonnerie. Des sacs costauds. Voilà. Donc j'ai un sac. Ensuite, j'ai pris trois coca comme ceci. Trois canettes, c'est 2,99 €. J'aime bien avoir du coca à la maison. Donc du coup, ben, j'en ai pris 2, 4, 6, j'en ai 18. Voilà. Et vous voyez, vous avez aussi. En fait, ils ont plusieurs sortes. Hein. Ils ont ceux-là. C'est qui ça? Eduardo. Voilà. Ils ont ceux-là et ils ont les autres. Voilà. Mais bon, ça, c'est pour des réserves parce que j'aime bien. Ensuite, bah, dis donc, un sac pour ça, du Philadelphia, 1,80 €. Et mes fameux chocolat banane, 1,35 €. Voilà, c'était une petite vidéo, mais c'était surtout pour vous présenter ma poêle. J'ai la poêle. On dit poêle ou poêle? Je me suis toujours demandé si on disait poêle ou poêle. Je vais pas trop nettoyer parce que je vais pas trop parce que j'ai pas lavé les mains et du coup voilà je vais attendre. Voilà donc la poêle est là. Pas du poêle à mazout. Non c'est pas du poêle à mazout. Voilà elle est comme ceci. Vous savez qu'il y avait des références? Alors je sais pas mais moi c'était Rosetto hein, ma poêle. Donc voilà la poêle Tefal. Où je vais faire des escaliers, des entrecôtes. Alors moi, je me suis... mon fils ne veut pas parce que c'est des cimentales, les entrecôtes. Et moi, je me suis acheté une entrecôte ce matin. Et je l'ai fait mariner dans du vinaigre, de la moutarde et des herbes, fines herbes, salade et épices italiennes. Voilà, je l'ai fait mariner. Là, elle marine. Après, elle va cuire. Voilà, donc voilà ma poêle. Obligée. Pouvais pas faire cuire à manger dans un truc qui était cassé, quoi. Donc du coup, je suis dégoûtée. Ouais, je pourrais vous montrer la poêle, mais bon, vous savez, c'est les belles poêles blanches là. Mais bon, voilà. Et ben maintenant, ce sera une belle poêle comme ça. Tefal. Et en plus, recyclée. Voilà. Alors, vous voyez, je vous mens pas, à chaque fois, j'ai un truc qui va pas. Donc, je vais leur dire. Putain, ça m'énerve. 4 septembre. C'est-à-dire qu'ils font pas attention dans les stocks. Et ça, c'est pas bien, quoi. Parce que du coup, je vais même pas regarder les yaourts. 24 septembre, le fromage, 10 novembre, ouais. Franchement, alors je vais leur dire le Doritos, je sais qu'ils vont m'offrir, je vais pas leur dire pour la ciboulette, parce que peut-être c'est un paquet, hein. Peut-être ils ont décidé que le paquet maintenant c'était comme ça, hein, parce qu'il y avait un gros élastique, hein. Peut-être, hein. Donc je m'en fous, mais c'est pas ça, moi bon, je vais les congeler, je vais en donner, hein. Franchement, regardez. Mais on dirait bien un bouquet, hein. Gab, oui, il n'a pas fait attention, hein. Sinon, ça fait tout petit, quoi. Bon, bref. Non, mais je vais leur dire parce qu'ils fassent attention à leur stock. Voilà. Comme d'habitude, je suis une chieuse, mais je vais leur dire, voilà, j'ai pris des Doritos, si je ne peux pas les manger parce qu'ils sont beaux jusqu'au 4 septembre et je ne les mangerai pas. Wally, voilou, même si je sais qu'on peut les manger, moi, je suis comme ça. Bon, bah, sur ce, je vous ai montré mes achats vite fait là, parce que vous savez, la poêle. Voilà, j'ai une bonne poêle. On dit poêle ou poêle? Moi je dis une poêle, mais peut-être on dit poêle. Dites-moi si on dit poêle ou on dit poêle. Yannick, on dit poêle ou on dit poêle? Poêle, voilà, lui il dit poêle comme moi. Il y a plein qui disent poêle, mais comme ça s'écrit poêle, P-O-E-L-E, peut-être on dit poêle que poêle. C'est pourquoi on dirait poêle. N'importe quoi. Pourquoi on dirait poêle? On l'écrirait P-O-I-L, mais en fait ça s'écrit P-O-E-L, donc c'est peut-être pas une poêle, mais c'est peut-être une poêle. Bon, sur ce, mes conneries, j'arrête. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you, wish les buddies, te quiero, te amo. Alors, ça aussi, il faut que je leur dise, je n'en ai pas commandé cette couleur-là. Deux fois la même couleur, je n'ai pas commandé. Et je n'ai pas commandé et je ne veux pas un truc qui est dépassé la date, sinon je prends un paquet anti-gaspi. Coucou les amis. Oh, je suis déportée. Mais
mais débordée, débordée, débordée. Oh là là! Ah, j'étais là. Oh, vraiment, 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 j'ai fait des achats parce que je suis sortie du festival de Dubaï et je me suis dit, oh là là, c'est bien, il faut. Donc, je rentre dans le magasin pour acheter un sac Louis Vuitton. Eh bien, on me l'a refusé, dis donc. Vous vous rendez compte, on m'a refusé. Oh, je me suis dit, mince, pourtant, j'ai été acheter là. Quand même, ils auraient pu faire quelque chose. Eh ben non. Eh ben, je vais vous le dire. Regardez. Voilà. Et voilà. Eh ben, j'ai acheté au marché de Dubaï. Au lieu de le payer 4 200, eh ben, je l'ai payé 15 euros. Oui, je sais. Je sais. Normalement, j'aurais pu le payer très cher, mais après tout, pourquoi payer cher alors qu'on peut le payer pas cher et que ça existe? Eh ben voilà, eh ben j'ai fait ça. Mais sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vais retrouver ma Sibylle parce que je suis la couse de Sib et je vais repartir en cocktail, en jet privé, bien sûr. Oui, et je m'en fous. C'est pas parce que j'ai de l'argent que je peux pas acheter du pas cher. Et ben voilà, j'ai acheté du pas cher. Et à bientôt. Bon, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis I love you, je te dis je te amo. Et je vais faire finir juste une chose. Joyeux anniversaire, Yannick. T'entends, Doudou? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Yannou. Joyeux anniversaire. Yannou, t'es content que maman chante une chanson? Il est ravi, enfin. Il est ravi. Allez, sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ciao, bye bye.